Les Nocturnes avec Jawad. Oui. Justin Timberlake, Adele, 50 Cent, Jay-Z. New watch alert, new blows. Or the big face rolly, I got two of those. Arm out the window through the city, I maneuver slow. Cut back, snap back, see my cut through the hole. Roots and Urban Music with Jawad. You are my baby, you are my world, you are my lover. Sur Medi One, il y a toujours des titres de chansons. Il y a le mot One. On le fait pas exprès, c'est que les artistes adorent ce mot, donc One. Et nous, ça nous fait toujours plaisir de vous retrouver sur Medi One. Avec notre sympathique Mohamed Mir à la réalisation, avec Ex-Girlfriend. En fait, Ex-Girlfriend, c'est le nom de l'artiste que nous venons d'écouter avec cette chanson qui nous rappelle un petit peu l'ambiance de la musique disco-funk des années 90, avec donc le titre « You are the one for me ». On va dire « You are the one for us », parce que nous sommes une radio toujours avec vous, toujours ensemble et toujours un pour tous, tous pour un. Alors vous savez, le genre de musique que l'on vient d'écouter à l'instant, en fait, il vient carrément du style funk. Et le funk vient du style jazz. Et qui c'est qui a amené tout cela? C'est un groupe extraordinaire qui s'appelle Kool & The Gang. Et en fait, l'histoire de Kool & The Gang est géniale, parce que vous savez que Kool & The Gang, en fait, c'est les frères Bell. Et le père des frères Bell était un super boxeur professionnel. Et comme je vous l'ai souvent dit, il y a toujours eu un lien très étroit entre la boxe et le jazz. Et c'est pourquoi dans les films anciens, les films vintage, on voit très très souvent, lorsqu'il y a par exemple des combats de boxe, etc., la musique qui va avec, c'est le jazz. Au départ, si vous voulez, les frères Bells, ben, c'était super musiciens de jazz. Ils avaient formé un magnifique groupe. Et
En tant que jazzman, il connaissait Miles Davis et Thelonious Monk, que tout le monde connaît parce que sont deux grandes personnalités du jazz. Thelonious Monk, extraordinaire pianiste, et Miles Davis, un des plus grands, sinon le plus grand trompettiste de tous les temps au niveau du jazz. Et ces deux musiciens étaient des amis intimes du père des frères Bell. Donc ils venaient très très souvent chez eux parce que ils aimaient beaucoup la boxe et ils venaient demander des conseils sur la boxe. Et en écoutant les frères Bell jouer, ils les avaient conviés à poursuivre leur carrière. Sauf que du monde du jazz, ils sont partis vers le style funk. Et vous, vous venez toujours vers nous sur Média. J'ai dit Cool and the Gang. Yeah. Les voici avec cette superbe chanson qui s'intitule Party People. That's right, y'all. Par le célèbre groupe de funk qui ont initié le style funk, simplement Cool and the Gang. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce rythme, parce qu'on a l'impression qu'il est simple, écoutez ça. C'est un rythme simple, c'est pas comme le rythme de la salsa, le rythme, c'est pas très compliqué dans le jazz qui est venu par la suite, le bebop, etc. Le style funk, c'est un style carré au niveau rythmique, c'est un style simple. Carré, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a tourné en rond à travers la planète depuis les années 70. Ce rythme est toujours en vogue. Ce rythme, pendant des décennies et des décennies, est toujours repris par les actuels artistes qui font de la production musicale et qui n'ont pas connu cette époque. Pourquoi ? Je pense qu'il y a un mystère au niveau de cela. Je pense que le mystère vient du groove.
Je pense que le style funk au niveau rythmique donne du groove. Et c'est ce groove qui est demandé par le public et qui est recherché par les artistes. Oui, ça c'est Earth, Wind & Fire, inspiré par Kool & The Gang. Il y avait eu Chic, il y avait eu Delegation à l'époque. Il y a eu tellement de groupes inspirés par Kool & The Gang. Un rythme simple, mais qui a fonctionné. Comédien. Vous voyez, ça c'est un rythme simple, c'est carré, depuis le début jusqu'à la fin, c'est le même rythme. Et quand je vous l'ai dit, c'est un rythme qui a fonctionné à travers la musique funk. Il y a des rythmes qui sont simples mais qui fonctionnent. Regardez le reggaeton par exemple. Le reggaeton c'est un rythme simple, c'est du début jusqu'à la fin, c'est la même chose, mais c'est un rythme qui a fonctionné. Prenez un autre rythme qui est simple également, c'est du début jusqu'à la fin, le rock and roll, mais il a eu beaucoup moins la cote que les rythmes funk et reggaeton. Ah, ils ont dit Dance, Earth, Wind and Fire à travers ce légendaire titre, magnifique chanson qui s'intitule Boogie Wonderland. Pourquoi Dance ? Tout simplement parce que le style funk est un style qui se danse et qui se danse de manière groovy, parce qu'il y a du groove dans le style funk. Et c'est justement pourquoi cela a inspiré tous les producteurs qui sont venus par la suite. Et en fait, ça a inspiré également la musique house, parce que très souvent, la musique house ou
la musique disco-funky sont issus justement de ces rythmes. Et si on écoute bien la house music, on se rend compte que très très souvent, les rythmes qui sont utilisés, ce sont justement des rythmes qui appartiennent au style funk. Puisque j'ai dit house, eh bien, Austin Mahone a été très inspiré avec Pitbull en featuring à travers la reprise de la chanson Lady qu'ils ont réalisée en 2017. Et tout le monde sait que cette chanson appartient, c'est pas au duo français Mojo, Lady, rappelez-vous. Média, avec vous. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can't tell by the look in your eyes. That you feel right, feel good. Feel wet, feel freaking, feel nasty, feel wood. It's all good. We can keep it on the low. Hush, hush. I'm here to skate, skate, skate. No rush. We can make straight love or straight through. As long as EPT say no plus. Lately, I've been thinking about you, my baby. I've been thinking about sex and you crazy. I've been thinking about doing the things you shouldn't do. Like in a bathroom stall with a car. On the dance floor or at the bar. Or next time in LA, pull over, get off and get freaky right next to my Hollywood star. Play with it.
Mes chers amis, c'est vrai que dans la musique, heureusement qu'il y a ce qu'on appelle les refrains, n'est-ce pas ? Parce que c'est sur le refrain que l'on peut désannoncer une chanson, ce qu'on ne peut jamais le faire sur le couplet, parce que généralement une chanson, mais ça c'était l'ancien format, c'était couplet-refrain, bon maintenant les choses ont un petit peu changé, mais à travers cette chanson, Chilling, qui est sortie, donc rappelez-vous, au début des années 2000 par Mojo, après le méga succès Lady, eh bien c'est carrément un style couplet-refrain sur un son house. Que Mojo ont réalisé uniquement deux titres, mais deux méga hits absolument fabuleux. Et c'est vrai que ce qui a concocté le succès de ce duo français, c'est de jolies mélodies et un beau son qui a surpris à l'époque, parce qu'on ne connaissait pas encore ces sonorités. Ce son house qui a vu le jour à la fin des années 90, au début des années 2000, en fait, c'est un son qui est concocté et qui est fabriqué par des professionnels de la musique. On en parlera au fur et à mesure à travers nos émissions. Kaigo, il fait un travail extraordinaire, monsieur Kaigo. Je vous propose avec Freedom, avec monsieur Tsekabel. On se retrouve aussitôt après ce titre sur Média. I was living a lie, this is my confession. I was living a lie before we met. There were so many nights full of dark temptation. There were so many nights that I regret. You gave me something that I can hold on to. A little life when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment, believe. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom I've been looking for. Down and out, it's the highest I have ever felt. You gave me something that I can hold on.